Ouais, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais baisser un peu le son parce qu'il est un peu fort, voilà. C'est parti, Home Invader. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi il n'y a pas de cam, hein, c'est parce que je suis torse. Il fait au bas mot 33 degrés. Donc je me dis, si j'y vais et que je vous montre, il peut y avoir des soucis, voilà. Alors juste F12, voilà, la petite photo qui va bien. Alors voyons voir, on a un décor. En plus, on a pas mal de corps ici présents. On a trois policiers, étonnamment. Ah, je pense que les policiers doivent activer d'autres policiers, en fait. Si j'en crois ce qui est dit. On va se dépêcher. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. On va redémarrer. Alors, voyons voir. Faire un peu le ménage ici. Alors, voyons voir. Les points de dépôt, il n'y a qu'un seul point de dépôt, il est là-bas. Attention, attention, attention. Oh, oh putain, j'ai pris. Voilà, j'ai pris entre deux feux. Alors, pas évident celui-là. Alors, pour information, je l'ai fait pour la première fois, donc c'est pas la peine de venir. Eh, bébé, t'es du là-bas. Donc là, il y a un corps. Le ménage. Attaquez-moi! Attaquez-moi! Voilà. Donc en fait, si j'ai bien compris, en fait, c'est plus compliqué qu'on le pense. Vous avez plusieurs endroits. Ok. Bon, bah, ça semble quand même bien compliqué. En fait, il y en a trois de base. Et plus on se fait repérer, puis ça devient l'enfer, en fait. Là, vient le mec bien. Donc là, je vais attendre un peu. Note, viens chez Joe quand tu auras fini, fils 2. Eh ben dis donc, ça insulte bien, dis donc, hein. Attends, je vais faire un truc. Voilà, ça va éviter les... la sushi. Ouais, mais le problème, c'est qu'il va se diriger vers le haut. Là, j'ai pas pensé à regarder bien comme il faut cette maison, parce que je me suis dit, bon, un peu de chance que j'y vais. Alors, attends, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il est bloqué. Ah si. Attends. On va le mettre là. Je vais essayer de se déplacer. Et je vais le coincer là. Comme ça, je suis tranquille. Voilà. Comme ça, je l'ai bloqué. Un peu le ménage là. Oh putain. Faire un peu le ménage ici aussi. Donc normalement je peux. Ah si, attention, parce que là j'ai quand même une petite ouverture. Ah par contre là c'est là que ça va vraiment se corser, j'imagine. Ouais, je peux ouvrir le garage aussi. En fait, l'endroit est pas si dur si t'as compris. Comment faire? Donc là, je pose les deux corps ici. Il y a deux corps là, ici aussi. Donc là, il y a un corps là-bas. J'imagine que quand si je venais à le déplacer... Attends, on va attendre qu'il s'en aille. Là, si je fais ça... Très étrange la manière dont ça a été fait. Il est passé par quoi? Ah, par là. Ah, c'est chaud quand même, hein. Pas évident. Hein. C'est pas mal de gardes, en fait. En fait, les gardes sont quand même vachement emmerdants. C'est eux les plus chiants, en fait. Les mecs en gris, c'est eux qui vont te poser pas mal de problèmes. Ouais, ils sont... ouais, donc laisse tomber.
Attends. Je vais le laisser se partir. Est-ce que je peux... D'accord, je peux passer par là. Bon. Ça peut se faire. Recule. Le truc, c'est qu'ils sont tellement synchronisés là, les deux là. On le voit très bien. Il n'y a que celui à gauche qui va être vraiment emmerdant. Faut dégager, dégage. Dégage! Et il arrive. J'ai déjà fait trop 2 sur 3. Bon, c'est bon, le sang est... Bon. Il reste un corps là, c'est celui-là qui va être chiant. Ah, je peux pas l'avoir. Il faut attendre qu'il se déplace. Attends, comment il se déplace lui ? Place comme ça. Après il revient. Voilà, mais c'est chaud. Et après il part comme ça. C'est pas le raccourci ici qui va m'aider. Ici en fait je m'en trouve dans la... Oh, je pourrais le redescendre. Non non, parce qu'il remonte là. Le regardez, celui d'en bas. Si vous regardez bien, il fait ça. Il grimpe et il s'arrête. Donc là, il s'arrête là. Donc là, tu te dis c'est bon. Mais en fait, non. Parce que regardez. Ah, des fois, il a des réactions. Ils ont des réactions, les mecs. Attends, attends, on va prendre notre temps. C'est rien de se presser, de toute façon. Bon. Casse-toi. Casse-toi. Merci. Non, on va pas prendre de risque. Après, pour revenir, par contre, il faut que je débloque le... Putain, pour revenir. En fait, c'est un niveau à la Halo Neighbor, en fait. C'est-à-dire que plus tu te fais repérer... Plus t'es en difficulté, en fait. Là, je me suis pas fait repérer une seule fois. Résultat, bah, y a pas de policier, y a rien. N'empêche que... C'est pas évident. Allez, vite, 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 vite. On va attendre qu'il se déplace. On va faire ça. Si on a le temps de faire ce qu'on veut. Okay, on peut y aller. On s'en fout, de toute façon, on a fini. Voilà maintenant. Maintenant ça va être compliqué. Bon allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous tous. Et on se retrouve bien sûr très vite pour un nouvel épisode de Serial Cleaner. On commence petit à petit à y voir le bout du tunnel. Allez, prenez soin de vous. Ciao.